Soyez les bienvenus, toute l'équipe de Shabada est là pour vous accueillir. Fabrice Rago à la guitare, David Lefebvre à la basse, Aurélien Noël à l'accordéon, Franck Delassu au piano, Yannick Unier à la batterie, et bien sûr cette équipe ne serait pas au complet sans celui qui sait tout, tout, tout sur l'histoire de la chanson française, Jacques Pessis. Et c'est un Shabada un peu particulier aujourd'hui, parce qu'elle revient à la chanson qu'elle avait abandonnée depuis près de 30 ans, et c'est une grande joie de la recevoir pour ce nouvel album. C'est Lynn Renaud. Bonjour Lynn. Bonjour Daniela. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, nous vous avons réservé quelques surprises que vous allez découvrir tout à l'heure dans l'émission. C'est pour ça qu'on... J'adore les surprises. Voilà. C'est une sorte d'émission spéciale. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Lynn Renaud, qui, comme tout le monde le sait, vient du Nord, d'Armentières. Et puis Nolwenn, qui fait un retour aux sources avec un Nord un petit peu différent, puisque c'est un album 100% folklore breton, nord-ouest. Ça va y aller du Bignou hein, tout à l'heure. Bonjour Nolwenn. Bonjour Daniela. Ou des maths, hein, c'est comme ça qu'on dit bonjour en breton. Hein. Bonjour Daniela, tout à bonjour. Fait. Et puis il y a le Grand Nord, Garou, le Grand Nord ouais, québécois. Et tu as choisi d'ailleurs d'évoquer un Québécois, donc une sorte de retour aux sources avec Robert Charlebois, dont tu vas chanter quelques extraits de chansons hein, tout à l'heure. Alors Lynn, vous n'avez pas chanté depuis 30 ans. Est-ce que c'est vrai que ce sont deux Québécois qui vous ont donné envie de rechanter et d'enregistrer un album ? C'est-à-dire que ça fait partie de ce qui m'a décidé. Mon entourage essayait depuis plus de 2 ans, Hervé en particulier, que je rechante. Et moi-même, j'avais essayé il y a quelques années. Ça mais non, il n'en était plus question. Et puis... je me suis réfugiée derrière, de toutes les façons, tout le monde sait que je ne chante plus, je ne recevrai pas de chansons, donc tranquille. Et puis un jour, entre Hervé et Jean-Valère Albertini, ils sont arrivés avec une première chanson qui s'appelle « Une minute ». La première chanson qui me soit arrivée vient du Québec. Alors c'était le premier signe pour moi. Je me suis dit, et si c'était le destin ? Autrefois, ma chanson, vous la connaissez, est partie... Du Canada. Et voilà que la première chanson qui m'arrive vient du Canada. Donc, ça a été un des premiers signes pour que je commence à avancer vers le... Ma cabane au Canada, qu'on entendra d'ailleurs tout à l'heure. Alors, Johnny Hallyday, Mylène Farmer sont aussi sur l'album pour des duos, mais il y a de nombreuses contributions dont on va parler tout à l'heure. Johnny vous appelle toujours ma marraine ? Oui, ça fait 50 toujours, ans. Hein. 50 ans que vous l'avez présenté pour la première fois à la télévision, en disant il ira loin, ce petit. Il avait 17 ans, moi 31. Et puis c'était une sorte de Star Academy, ça s'appelait l'école des vedettes. Et voilà, donc je l'avais choisi comme filleule. Et depuis 50 ans, il m'appelle marraine et ça me fait chaud au cœur. Il y a 5 ans, à une époque où vous ne pensiez pas du tout que vous alliez refaire de la chanson un jour, nous avions voulu réparer une sorte d'injustice, puisque c'était au cours de la fête de la chanson française. Quand vous avez vendu des millions d'albums, il n'y avait pas à l'époque de décompte vraiment précis. Donc il n'y avait pas ce qu'on connaît aujourd'hui, les disques d'or, les disques de platine, etc. Et donc on avait vu avec votre maison de disques pour vous remettre un disque de diamant pour l'ensemble de votre carrière. Oui, je m'en souviens, c'était dans votre émission. Voilà, Johnny qui était venu. Toujours fidèle, vous remettre. Je veux vous montrer ces quelques images. Johnny qui était venu au rendez-vous. Ma marraine. Que je t'aime. Merci, Johnny. Alors voilà, j'ai l'honneur de te remettre ton disque de diamant pour l'ensemble de ta carrière et avec tout l'amour que j'ai pour toi et toute la tendresse que j'ai pour toi, tu es une grande patronne pour nous tous. Merci, bonjour. Merci, Lynn, merci. Merci. Dis-moi, Lynn. Et il y a ce beau coffret qui vient de sortir. Il y a des photos de toi. T'es quand même canon, hein. Le canon. Ah,
C'est un joli souvenir. T'es quand même canon, avait dit Johnny, que vous embrassez sur la bouche d'ailleurs, hein, ben, j'ai remarqué. Comme ça, famille, la famille, c'est la famille. Oui. D'accord. Mais ça me Garou, je fais pas partie de la famille. Bon, je suis Garou. Depuis pourquoi tu veux que j'embrasse sur si la bouche? Si on s'embrassait sur la bouche plein de fois, nous. Non, là, il y avait une opportunité. Et moi aussi, je te trouve canon. Hein. Et attends, tu vas voir des images. Ah, les Américains appellent ça le French kiss. Nous, au Québec, on dit comme ça. C'est quand ton premier French. C'est comment quand t'as Frenché pour la première fois. T'as Frenché. Alors, dans l'album, il y a des contributions de tout ce que la chanson peut compter de talent. Julien Clerc, Mylène Farmer, Christophe Maé, Grand Corps Malade, Johnny Hallyday, Michel Delpech. Je vous propose de voir quelques images de l'enregistrement de cet album. Ça a dû être des moments extrêmement sympathiques, d'après ce qu'on voit. Nous sommes les torrents d'amour. Et si ma plume parlait d'avenir, car il n'est pas l'heure de se taire, je n'ai pas fini d'en finir pour moi, souvent tout reste à faire. Super, voilà. Oui, j'enlève la virgule. Voilà, c'est l'énergie, ouais, t'as envie. J'enlève voilà. la virgule. T'as envie de mordre. Mes amis sont mes amours, mes amis sont mes toujours, d'une nuit ou d'un jour, mes amis sont mes amours. Bon, voilà. Mais je crois qu'elle est fidèle à la petite fille qu'elle était, et ça c'est remarquable. And I say to myself, what a wonderful world. Wonderful world. Tu sais, Serge, j'ai eu les poils, j'ai eu les frissons. Donc ça. Vraiment, c'est. Je peux l'écouter à côté de toi. Mais dans ma tête, j'entends te pourrir. Toi, ma fille, ma poupée de cire. Je suis très émue parce que je me demande encore comment tout ça est arrivé. Jamais, jamais je ne croyais revenir à la chanson. Et tout est merveilleux parce que vous me voyez avec Christophe Maé. Encore un coup, le destin, je jouais ma pièce de théâtre, Très chère Mathilde, à Nantes. Nous allons dîner ensuite dans une brasserie. Il y a une table de 4 personnes un peu plus loin. Il y en a un, il prend son téléphone pour appeler quelqu'un. J'ai envie de jouer, je prends mon téléphone, je dis oui, allô, j'écoute. Il se retourne, c'était Christophe Maé. Oui. Alors, il vient vers moi. Et il me dit, Lino, vous êtes à Nantes? Je dis, oui, oui, oui. Il me dit, mais j'ai parlé de vous hier à déjeuner, toute la journée. Il paraît que vous faites un album. Je dis, oui. Il me dit, mais je veux vous faire une chanson. Je lui dis, vous gênez pas, surtout allez-y, voilà. Et c'est comme ça que est venu dans ma tête. Loulou Gasté, donc votre mari, votre Pygmalion, c'était, je le dis pour les plus jeunes, une énorme star hein, à l'époque où vous l'avez rencontré. J'avais 12 ans, je chantais ses chansons à l'école. C'était des chansons très, très rythmées. Il était guitariste de jazz, il jouait avec Django Reinhardt. Et Ray Ventura. Et il était dans l'orchestre de Ray Ventura, oui. Et il était comme le Jean-Jacques Goldman oui. de notre époque à nous. Voilà. Vous n'aviez peut-être pas remarqué, mais la première fois que vous l'avez rencontré, Loulou Gasté, dans son bureau, Jack Pessis était là. Oui, je me souviens très bien de la scène. Sous la chaise. C'était rue Washington, le titre du disque. Il était assis sur le bord du bureau. Vous arrivez, vous dites, je voudrais parler à votre père. Et Loulou répond, quoi ? Vous voulez prendre des cours de conduite, car le père de Loulou Gasté était champion de conduite automobile. Oui. Et vous n'aviez pas remarqué Loulou, vous pensiez beaucoup plus vieux que ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il y avait un jeu de mots qui courait à l'époque, bien sûr, parce que dès que j'ai eu droit à la cabane au Canada et donc au chansonnier, tout ça, il était le seul constructeur qui avait réussi à faire... Il y avait des voitures qui s'appelaient... Des vedettes. Le seul oui. qui avait réussi à faire d'une Renault une vedette. Garou, cette chanson, La Perche, est trop belle. Ma cabane au Canada, tu nous en chantes un petit bout. J'espère qu'un jour, je pourrai t'inviter, que tu viendras. Dans ma cabane au Canada, et blottie au fond des bois, on y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé,
c'est qu'il n'y a rien à voler. Mais je t'invite dans ma cabane au Canada. Et oui, jour tu viendras. L'auteur de cette chanson parlait des petites cabanes à sucre là, qu'on appelle dans les Laurentides. La cabane à sucre, ouais. Oui. Alors, mais les Canadiens au début pensaient que on pensait qu'ils n'avaient que des cabanes, alors qu'il y avait les buildings. Il y avait quand même des gratte-ciels. Il y avait les gratte-ciels. Mais j'ai tellement été bien reçue là-bas. Mon Dieu. Alors, si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec, cette circonstance. Garou. Ah si, tant qu'à parler du Québec comme ça. Tant qu'à parler du Québec, on va parler de Robert Charlebois aussi, qui lui-même s'appelait Garou à une époque. Robert Charlebois était appelé par plusieurs de ses amis, mais même dans le journal. Je me souviens un jour, dans ma ville natale, de lire en gros titre « Notre Garou national ». Personne ne me connaissait, j'avais même pas commencé à chanter encore. Bon, on m'appelait déjà Garou, mes potes m'appelaient comme ça. Et pour rectifier la chose, Robert Charlebois est venu faire une télé avec moi. J'avais pas commencé Notre-Dame encore, qu'on a fait une émission de télé ensemble où j'étais invité et où on a présenté les deux Garous. Ah ouais, donc il n'était pas fâché, lui, de s'être fait piquer le prénom Garou. Et moi, j'étais très honoré. 1, 2, 3, 4, on part pour Québec. Ben, je peux la faire, je vous amène. Je vous amène à Québec, mais pour vous amener à Québec, j'ai besoin que vous le criez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je vais lever le bras, vous allez crier « Québec! » Ah, et là, ça va être encore plus facile parce que... On va tester. Pas mal. Je vais compter, ça va être plus facile, OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour... Si j'avais des lumières sur mon mec, je partirais pour. Si j'avais plus de gasoline, je montrais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, je rallumerais de mes lumières pour ma vue. See when the twilight falls on the heights, I will light my light for my sight. Et je roulerai dans la nuit en chantant cette jolie mélodie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Québec! Je vous amène. Merci, Garou, bon ambassadeur hein, des cabanes au Canada et des buildings. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on est dans le côté « je revendique mes origines », Nolwenn, la Bretagne. Alors, Trimartolo, c'est un des extraits de ton album qui est entièrement breton. Hein. C'est un album pour la Bretagne, pour les Bretons, bien sûr, mais aussi et surtout pour tous les amoureux de la Bretagne, parce que Dieu sait à quel point il y en a beaucoup, des Bretons de cœur. Et alors, ton harpiste est venu nous rejoindre, je l'en remercie. Merci d'être avec nous. Je joue un peu de harpe celtique. Pour un peu de harpe, pour un extrait. Alors moi, je la chante en breton, je la chante dans sa version originale. Alors vas-y, on t'écoute. Trimartolo par Nolwenn. Trimartoldo di Ovonk, tra la 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 la, Trimartoldo di Ovonk, vone da viaggi, Trimartoldo di Ovonk, tra la 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 la, Trimartoldo di Ovonk, vone da viaggi, vone da viaggi, vone da viaggi, vone da viaggi. On vone da viaggi, gone a ville bit cassette, tra la 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 la, gone a ville bit cassette, but take on to a baby, gone a ville bit cassette, tra la 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 la, gone a ville bit cassette, but take on to a baby. Merci. Merci. Alors, puisqu'on parle des racines, les vôtres, Lynn, elles sont dans le nord de la France. On l'avait vu avec le film de Danny Boone, Armentières, dont vous êtes tous les deux originaires. Et pour évoquer cette demoiselle from Armentières, merci d'accueillir Nathalie Lhermitte. «
Nathalie, bonjour qui chante tous les dimanches dans Shabada. Bonjour Nathalie. Bonjour. Mademoiselle From Armentières, pourquoi ce From américanisé dans ce titre ? Parce que c'est une chanson au départ qui est américaine et je sais que la première fois que Lynn arrive à Londres, à la douane, le douanier voit... Vous êtes née à Armentières, c'est incroyable. Car à Londres, c'est l'équivalent, Mademoiselle From Armentières, de la Madelon en France. Ouais. Et c'est à tel point un succès que lorsque Lynn est arrivée là-bas, elle est immédiatement devenue la chanteuse française la plus populaire et que sa première fan a été la princesse Margaret, la sœur de la reine Elisabeth, parce qu'elle était une fan de Mademoiselle From Armentières. Un joli sourire de France, des fossettes toujours. Des cheveux très doux, des yeux bleus très doux. Sur son berceau dès sa naissance, une bonne fée d'un coup de baguette avait changé sa destinée. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle from Armentières. Alors, 1978, Lynn est jury de Miss Univers au Brésil et elle entend une chanson de Copacabana. Non. Et, au Mexique. Au Mexique. Et elle entend Copacabana par Barry Manilow. Et tous les soirs, elle va dans les discothèques avec Simone, sa chère maman, et elle entend Copacabana. Et au retour dans l'avion, elle entend Copacabana. Et immédiatement, elle écrit des paroles, elle enregistre le disque et ça va devenir le succès de l'année 1978. Et Lynn va devenir reine du disco grâce à Copacabana. Sera fondue de bas en haut. Elle dansait, chantait une jamboree. Elle voulait devenir une star. Tony tenait le bar sur la piste bondée. Lola se déchaînait. Ils étaient tellement tous les deux. Ils étaient heureux. Copa, Copacabana, le coin le plus chaud de la Havana. Là en Copa, Copacabana. Ça suit. Lynn, ça pourrait être comme un jingle d'ouverture pour vous inviter à rejoindre la scène, parce que tout ça c'est du passé, mais il y a aujourd'hui un album que je vous invite vraiment à découvrir, la chanson de Michel Delpech qui s'appelle Les Torrents d'amour, et le premier extrait de cet c'est album. C'est une musique de Laurent Foulon, et Michel, c'est ça qui est extraordinaire, n'a jamais écrit de paroles pour quelqu'un d'autre non, que jamais. Lui. Ouais. Et donc, il est venu me faire ce joli cadeau. L'album s'appelle d'amour. Rue Washington. Et Lynn va nous faire découvrir tout de suite cette première chanson de Michel Delpech, Les Torrents d'amour. Où sont les torrents d'amour qu'on rêve de descendre dans nos canoës? Où sont les temps d'amour qu'on trouverait ensemble pour nous y baigner? Seigneur, dans quelle île perdue les as-tu cachés? Où sont ces torrents d'amour qu'on aimerait tous entendre au fond de nos vallées? Les as-tu cachés? Où sont les torrents d'amour
cherche quelque chose d'aussi parfait. Je ne fais que rêver et je crois que tu le sais. De Lynn qui s'appelle Rue Washington et qui est dans les bacs. Et puis 24 et 25 mai 2011, ce sera une grande première pour Lynn qui sera à l'Olympia. Alors cette Olympia, Lynn, ça sera vraiment la première fois. On n'arrête plus le progrès. Il était temps que vous fassiez votre première Olympia quand même. Mais il y a une raison pour cela. C'est qu'en 1950, quand j'étais en tête d'affiche, c'était le théâtre était le théâtre de l'ABC, ah oui. Le théâtre de l'Étoile. L'Olympia est venu plus tard, vers 55. Et moi, là, déjà, c'était plutôt parti vers les tournées à l'étranger. Puis ensuite, le Casino de Paris, qui a pris quand même 20 ans de ma vie entre Paris et Las Vegas. Et donc, voilà. Quand on l'a vu au début de cette émission, Johnny vous a remis votre disque de diamant. Il a regardé une image de vous sur une pochette et il a dit « Dis donc, t'es canon !» C'est vrai, ça nous a donné une idée en préparant cette émission, c'est de ressortir quelques images sexy de Lynn Renaud. Et je vous avais dit qu'il y aurait des surprises dans cette émission. Vous allez en avoir une, vous allez voir. Vous n'allez pas trouver un calendrier quand même. Chaque fois que je rêve de lui, dans mon cœur s'éveille le regret d'un amour d'été, d'un été. Canon, hein, le mot est faible. Qui c'était ce bel âtre qui dansait en slip sur vous? C'était un danseur de ma première revue au Casino de Paris. La revue s'appelait Plaisir. C'était Fernando Rego, qui de Argentin, et il me plaisait beaucoup. Oui. Bah ça.
On a vu aussi le Golden Gate Quartet. Alors vous disiez le danseur, il était bel homme. Le Golden Gate, vous avez quasiment passé une nuit avec, avec les quatre. Ils sont restés 4 ans dans ma première revue. Mais j'ai un souvenir magnifique. Un est encore vivant. Celui qui est comment quand s'appelle-t-il? On regarde à ma droite. Clyde. Il est vivant. Et ensemble, nous avons vécu un moment vraiment important, unique. Un soir, Elvis Presley était dans la salle au Casino de Paris. Une ouvreuse vient dire à Loulou, il y a 3 soldats américains, on croit qu'il y a Elvis. Loulou donc va le chercher, c'était Elvis. Il vient dans la loge, il voit une guitare, la guitare de Loulou. On fait vite venir le Golden Gate Quartet jusqu'à 6 heures du matin. Avec Elvis et le Golden, le plus beau concert privé. Dans la loge. Tous les gospel qui étaient la culture d'Elvis. Parce qu'Elvis était dans une division en Allemagne, c'est ça? Il était à son service militaire. Et c'est là où c'est extraordinaire. Les Américains, c'est incroyable. Il dit, Elvis, quand, à 6 heures du matin, dehors, « Eh bien, quand vous serez à Vegas, je serai à votre opening. » Mais mon opening à Las Vegas, c'était 2 ans après. Je l'ai jamais revu entre-temps. Il était à l'opening. Et là, j'aurais du mal à vous dire ce qu'on fait d'habitude dans une émission. Vous avez chanté toute une nuit avec Elvis Presley. Eh bien, Elvis Presley, il est là. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Ça ne m'étonne pas. En revanche, ce que je peux vous dire, et ça, c'est un événement, c'est que Clyde, dont vous parliez, et le Golden Gate Quartet, eh bien, ils sont là. Ah, ça, c'est un beau cadeau. Ah là là! Quartet mené toujours par son leader qui va venir nous rejoindre. Clive, venez avec nous. Et vous pouvez retrouver ces titres interprétés par le Golden Gate Quartet, évidemment, sur l'album qui s'appelle Incredible. Et ils seront également en tournée en France le 5 décembre à Bordeaux et le 12 décembre à Nantes. On va évoquer ces souvenirs. Jesus loves me. Jésus vous aime certainement, Lynn, en ce moment. Et avec ces retrouvailles, en fait. Écoutez, très fort, très très fort. C'est curieux encore, ça. Depuis quelques jours,
on parle beaucoup, on me questionne beaucoup sur la venue d'Elvis Presley. Mmh. Et depuis quelques jours, je dis, il y a Clyde. Clyde est là encore. Il faut que l'on se voie. Eileen, elle est là. Nous sommes ensemble. On est une famille. Ça on fait se ressemblait. Combien de temps que vous vous êtes pas vus? Vous vous voyez en voisin ou pas? On s'est croisés il y a 3 ans maintenant. Oui. Mais enfin, comme ça, de les revoir là. Il était là dans cette loge où vous avez chanté toute la nuit avec Elvis Presley. On peut reconstituer peut-être un petit peu la scène. Là, on va dire qu'on est en pleine nuit, on est dans une loge au Casino de Paris. Garou va faire le coiffeur parce que votre coiffeur était là, je crois. Hein. Il avait 6 personnes. Donc, Garou le coiffeur, Nolwenn la maquilleuse, la bieuse. Oui, bébé. Voilà. Bébé. Oui. Il y avait 6 personnes. On va chanter tous ensemble, comme si c'était cette nuit-là. On va la recréer. Oh, Happy Days, justement, une chanson de circonstance. Oh, yeah. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus walked. When Jesus walked. Le 5 décembre à Bordeaux, le 12 décembre à Nantes. Merci Garou, cette voix. Oh, j'adore, mais on s'est croisés il n'y a pas longtemps et il m'avait remis l'album et je l'ai écouté. Il est chez moi à la maison au bord du lac. J'adore écouter ça. Vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup. Allez les voir en concert. Merci. Il y a un livre que vous publiez qui s'appelle justement Oh Happy Days, qui sort aux éditions Flammarion. Et c'est un livre où on retrouve des photos d'ailleurs de Lynn, des photos d'Elvis. Ah, oui. C'était une belle période, ce spectacle au Casino de Paris, cette revue plaisir. C'était une chose extraordinaire d'être avec Lynn, Loulou, même sa grand-maman, sa maman et tout le monde autour. Nous étions une grande famille. J'étais le petit garçon dans la famille, hein. Et je suis toujours là avec elle. Lynn, il y avait une chanson que vous chantiez ensemble? Oh, on a 4 ans. On a chanté Un jour je reverrai Paris. On a chanté au Mademoiselle Renaud. C'était comment au Mademoiselle Renaud? Oh, Mademoiselle Renaud. What do you want to know? What's exciting you so? What's exciting me so? Oh, idi, idi, ho. C'est l'amour. Attends, j'ai pas fini. L'amour c'est très joli. What do you mean, joli? All of the charms of Paris. C'est l'amour. Voilà.
merci, vous restez avec nous, Clive, et puis vous serez aussi bientôt à Nantes, le 5 décembre à Bordeaux et le 12 décembre à Nantes. Alors à Nantes, il faut que vous soyez prêts, vous connaissiez un petit peu la musique qu'on pratique là-bas en Bretagne, et à côté de vous, Nolwenn Leroy sort un album bretonne dans lequel il y a des chansons issues de cette longue et belle culture bretonne. Est-ce que tu as grandi dans cette chanson bretonne comme ça ? Est-ce que j'ai entendu ça quand j'ai toujours eu cette... cette musique celte dans les oreilles, ces rythmes, tous ces instruments traditionnels que j'aime tant. Et j'avais envie de travailler sur un album moderne, avec des arrangements modernes, un véritable album pop, mais avec des instruments traditionnels, et reprendre toutes ces chansons d'hier et puis d'aujourd'hui aussi, finalement, puisqu'il y a des chansons traditionnelles, mais aussi des chansons comme celle de Miossec, comme Brest. Est-ce que tu veux nous chanter un petit extrait de Brest, et puis après, oui, bien sûr, rejoindre... les musiciens. Les musiciens. D'accord. Qui sont sur scène pour la jument de Michon. Ouais. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade de port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. C'est bien qu'on y était presque. On avait fini notre jeunesse. On aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Mais nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Même la terre la renverse. Voilà, Brest, qui n'a rien à voir avec le folklore et la musique celte, mais qui est une chanson de Triane. Une chanson qui m'évoque la Bretagne que j'aime. Tu aimes t'attend sur la scène de Shabada. L'album de Nolwenn s'appelle donc Bretonne. Petit poulain, passer dans le pays, moi.
émerger tout le fond. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. Les juments de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. Les juments de Michaud, elle s'en repentira. La jument de Michaud de Noël Leroy, c'est un extrait de l'album donc, qui s'appelle Bretonne, qui sortira le 6 décembre 2010. Et à noter que c'est une chanson, donc on le disait tout à l'heure, du groupe Trianne, qui fêtera en 2011 ses 40 ans de scène avec une grande tournée. Un nouveau CD d'ailleurs est en préparation et sortira courant janvier 2011 sous le titre Roumadou Génération. Trianne, donc, qui revient et on en est content. Ah oui. Merci Nalouen. Ne fais pas dire. Garou. Merci. On le disait, tu as toujours été fan de Robert Charlebois. C'est magnifique, non. Est-ce que c'est le côté aussi spécifique sur scène que pouvait avoir Charlebois qui te séduisait ? Par exemple, je sais qu'un jour, il est arrivé sur un char hydraulique dans un spectacle où parfois, il mettait des tenues absolument déjantées. Moi, je l'ai vu, c'est dans les premiers shows que je suis allé voir dans ma ville natale, justement, à Sherbrooke, où j'étais ado. Et j'étais allé voir, c'était pas le grand spectacle, c'était dans un tout petit bar, mais je me souviendrai toujours parce qu'il avait mis le feu. Mais c'est une bête de scène, Robert. Et maintenant, je suis très heureux de le compter parmi des amis parce qu'on a fait plusieurs soirées ensemble à rigoler. Et c'est un grand fêtard, évidemment. Mais c'est aussi un vrai showman. Pour lui, c'est viscéral, c'est à l'intérieur de lui. Il a envie que tout le monde s'amuse autour de lui, puis c'est constamment comme ça, qu'il soit sur scène ou pas. Lindbergh, Jacques, c'est une des chansons les plus connues de Charlebois. Elle date de 1969. Alors, quelques temps avant, Robert Charlebois avait fondé non pas un parti politique, mais un mouvement qui s'appelait le Rhinocéros. Alors, il se présentait aux élections et les discours débutaient toujours par « électeur, électrice, électricien ». Et ensuite, il disait « si je suis élu, je vous promets que je ne ferai rien du tout ». Il a été battu, mais il a quand même fait une révolution musicale en mélangeant pour la première fois au Québec la langue de chez vous, Garou, et le rock'n'roll. Et ça a été cette chanson créée avec Louise Forestier qui s'appelle Lindbergh. These leaves, astrojet, whisperjet, lipperjet, tubo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors sur parti sur Québec Air, Transfer, Northeast, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais j'ai plus si rendu. Sud, au soleil bleu blanche, les palmiers, les cocotiers glacés, dans les peaux, les esquimaux bronzés, qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours ma Sophie qui venait de partir. Ah oui, sur Québec, Transfer, Nord, East, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais j'ai plus, aussi rendu peut-être à Paris. Oui, il faudrait que tu sois rendu à Paris un peu plus souvent d'ailleurs. J'avais besoin d'être là, j'avais besoin que tu sois là, Garou, aujourd'hui. Je suis contente, nous aussi, on crie dans la salle. Merci. J'avais besoin de prendre le Northeast, Eastern, Western, de tous les avions du monde pour venir le plus souvent possible. Tu es dans le monde entier, tout le temps, beaucoup en Russie, beaucoup dans les pays de l'Est. Heureusement, tu reviens encore un peu ici. J'avais besoin d'être là. C'est un nouvel extrait de ton nouvel album, nouvelle chanson originale. C'est où, là ? C'est facile de dire là, ça plaît à tout le monde. Je suis toujours loin de quelqu'un, donc il faut toujours que j'explique à quelqu'un, que ce soit ma fille, parce que je suis loin, mes amis, mes parents. J'ai toujours des gens très proches de moi qui sont très loin. Donc, il faut toujours que je justifie un peu. J'avais besoin d'être là, extrait du nouvel album de Garou. L'album sort bientôt. Version intégrale, hein, le 29 novembre. Version intégrale, c'est le titre de l'album. On va écouter ce premier extrait. Garou, qui est actuellement
en concert dans toute la France et qui sera à l'Olympia à Paris le 30 novembre et le 1er décembre. Donc il laissera la loge en bon état pour Lynn qui viendra à l'Olympia quelques temps après. Yeah. Oh, boy. All right. Let's go. Aujourd'hui je le sens, je peux venir vers toi. C'est vrai, j'ai mis du temps, ne m'en veux pas. La course a été rude, la chute était fatale. Avec le temps j'ai lu ce qui fait mal. Alors même si c'est comme l'autre côté du monde, comme l'autre côté de moi, même pour la vie ou pour quelques secondes, j'avais besoin d'être là. Aujourd'hui je connais tout ce que je vais te dire, dans quelques mots blessés ou un sourire. J'accepte le cadeau autant que les défis. Être fier mais pas trop et dire merci. Alors même si c'est comme l'autre côté du monde, comme l'autre côté de moi, j'avais besoin d'être là. Même si c'est comme l'autre côté du monde, comme l'autre côté de moi, même pour la vie ou pour quelques secondes, j'avais besoin d'être là. Si le temps, même si les désirs viennent tard, même si j'ai dit la voix, même si c'est comme l'autre côté du monde, oh, comme l'autre côté de moi, même si c'est comme l'autre côté du monde, comme l'autre côté de moi. Même pour la vie ou pour quelques secondes, j'avais besoin de tissu. Yeah. J'avais besoin d'être là. Ou pour quelques secondes, j'avais besoin. J'avais besoin, oui j'avais besoin. Même pour la vie ou pour quelques secondes, j'avais besoin, j'avais besoin d'être là. Garou accompagné de ses musiciens et des musiciens de Chavada. J'avais besoin d'être là. C'est un extrait du nouvel album de Garou intitulé Version intégrale qui sera dans les bacs le 29 novembre. Garou, est-ce que tu peux me le refaire là, juste le refrain un petit peu a cappella et tu changes à la fin, tu dis j'avais besoin de Chavada au lieu de j'avais besoin d'être mal. Là. Vas-y. Même si c'est comme l'autre côté du monde, car l'autre côté de moi. J'avais besoin d'être à Chavada. Bon, après je te le referai refaire, mais avec Daniela à la place de Chavada. J'avais besoin de Daniela, mais ça on fera plus tard. Tu bon, me gardes après. Allez, tu disais le cadeau, merci pour le cadeau, c'est dans les paroles de la chanson justement. Ouais.
Merci pour le cadeau de Shabada déjà, parce que merci pour cette émission qui fait de la musique encore une fois, mais qu'est-ce qu'on est bien. Bah, c'est gentil, mais il y a surtout quelques jeunes filles qui ont envie de te faire un cadeau, qui sont dans le public aujourd'hui, ce sont des fans à toi, qui sont venues de Belgique, de France, du nord de la France, de Suisse. Les voilà, elles sont là, on vous écoute. Plus de 10 ans déjà que nous sommes avec toi. Oui, ça en fait du temps que l'on est là. La route a été longue pour arriver ici avec toutes nos amies, te dire merci. Merci à vous. Merci beaucoup. On les applaudit plus fort que ça. Merci Garou, merci Nolwenn, merci Clive et le Golden Gate Quartet. Merci beaucoup Lynn. Découvrez cet album de Lynn Renault qui s'appelle Rue de Washington. Et puis merci à tous de votre fidélité puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque dimanche et à vous passionner comme nous pour la chanson française. Alors rendez-vous mardi soir pour la rediffusion après Ce Soir ou Jamais. Bonne fin de journée à vous.